Bonjour mesdames et co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Toulouse avec Philippe. Mon Dieu que ça me fait plaisir qu'on se retrouve comme ça. Mais en tout cas, moi, c'est un grand privilège de faire cet échange avec toi parce que je regarde en permanence toutes les interviews et ça me fait un bien considérable. Je ne suis pas le seul. On a l'impression d'être dans l'intimité des gens et de ton travail. J'avais l'impression qu'on s'était rencontrés, mais on ne s'est pas rencontrés. C'était très fort. Tu es une icône à la maison. Alors là, on va rentrer dans ton intimité, ton monde. C'est un monde qui est très vaste, ça fait des années hein, que tu es dans cette agriculture biologique. Parle-nous de cet univers et comment il s'est transformé au fur et à mesure. Parce que là, on est à Toulouse, on est au forum, hein, forum de Toulouse. Tu étais hier conférencier, on parlait de l'avenir économique, agriculture, politique. Quel est ce nouveau monde qui va se mettre en place? Et toi, tu es un de ces acteurs, ça fait des années, des décennies que tu y travailles. Oui, je commencerai peut-être par une citation qui m'a beaucoup marqué de l'un des fondateurs du journal Le Monde qui s'appelait Pierre Viançon-Ponté et qui disait « Tout ce qui s'organise finit un jour ou l'autre par ligoter ». Et je crois qu'on est arrivé à ce stade de paralysie totale du système qui, pour des raisons vertueuses, probablement, j'espère, a organisé ce monde et cette société, mais d'une telle manière aujourd'hui qu'on ne peut plus bouger. Et peut-être que ça me ramène à un autre épisode de l'histoire. Je me suis demandé aussi pourquoi il a existé au Moyen-Âge des villes franches, c'est-à-dire des villes libres. Parce que le système ne permettait plus la création, la créativité des artistes et des compagnons bâtisseurs ou artisans qui à l'époque se réunissaient, se concentraient dans ces villes franches où ils avaient toute liberté d'exercer leur créativité. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est peut-être une proposition qu'on peut faire, qu'on devrait recréer des zones franches ou des villes franches pour que des êtres puissent mettre en œuvre leurs innovations sociales, leur beau travail citoyen. Peut-être que c'est ce qui va venir, parce que les lois, les règlements sont tels qu'aujourd'hui on ne peut plus bouger. C'est une succession, une superposition de règles et de lois qui fait que lorsqu'une nouvelle arrive, on n'enlève pas les anciennes et on est dans un univers de contradictions qui fait que c'est la part belle pour les avocats, évidemment. C'est pour ça qu'aujourd'hui le juridique domine à peu près toutes nos fonctions, toute notre activité et qu'on ne peut plus rien faire. Donc je voulais commencer par là pour faire réfléchir sur ce... Et puis je veux aussi faire réfléchir une chose qui m'a beaucoup frappé, un monsieur qui s'appelle Vassarav Nicolaescu, la transdisciplinarité, qui un jour m'a frappé, parce que je n'avais pas réalisé ce phénomène, quand il dit au XIIe siècle, il y avait 8 disciplines pour expliquer la réalité du monde. En 1950, il y avait 50 disciplines pour expliquer la réalité du monde. En 1975, il y avait 800 disciplines pour expliquer la réalité du monde. Et en l'an 2000, où nous étions, il y a 8000 disciplines pour expliquer la réalité du monde. Autant dire que nous sommes dans une vaste tour de Babel et que plus personne ne peut comprendre personne. Chaque expert a sa petite partie et est incapable d'envisager la globalité de ce qu'il étudie. Donc il extrapole à partir du peu qu'il connaît, et ça aboutit au désordre auquel on assiste à l'heure actuelle et l'impossibilité des gens de se comprendre. Justement, c'est ça qui est intéressant sur ton parcours, parce qu'on parle de toi aujourd'hui aussi, c'est que tu as essayé plein de choses et tu es là, tu es toujours curieux, toujours cette envie, on sent qu'il y a un enfant en toi qui est toujours là présent, c'est magnifique. J'ose dire que j'ai gardé mon âme d'enfant et j'ai observé quelques grands hommes qui sont en plus des amis, que ce soit Jacquard ou que ce soit Edgar Morin, que j'admire beaucoup. Edgar, je l'ai toujours vu
comme un enfant en train de découvrir des choses. Il a ce cœur d'enfant, cette âme d'enfant. Et je me suis dit, c'est fabuleux. Et mon prof, parce que je suis un peu autodidacte, hein, mon doctorat de sciences de l'environnement, je l'ai eu assez sur le tard. J'ai repris le chemin de l'université à 40 ans passés, parce que je me rendais bien compte que mes discours n'étaient pas écoutés du fait que je n'avais pas les diplômes équivalents à ce que je préconisais. Voilà, alors j'ai pris le mort aux dents et ça a tout changé. Je ne suis pas plus intelligent aujourd'hui, mais au moins on m'écoute parce que je fais partie du sérail. C'est stupide, hein ? C'est surtout en France. Je ne pense pas que ça existe de la même manière ailleurs. Et mon prof, qui était un grand agronome, un grand monsieur, qui était un humaniste en même temps, qui s'appelait Jean Kelling, pour lequel j'ai une véritable vénération, avait cet humour et cette recherche, cette liberté. J'en ai connu deux ou trois comme ça qui ont émaillé mon parcours et ma jeunesse. Et je crois que ça m'a guidé ou un peu formé à ce monde de non-compétition, ce monde de curiosité permanente, ce monde, je dirais, d'amour des choses qui sont autour de nous. Et ça, je le garde. Je ne dis pas mon âge parce que je suis une grande coquette, mais... Dis-nous, quel est ton rêve ou ta prière pour ce monde ? Dans ton domaine et même au-delà certainement, mais qu'est-ce que tu veux vraiment voir se mettre en place ? Ce que je voudrais vraiment voir se mettre en place, et c'est sur quoi je travaille en butinant sur toutes sortes de chemins spirituels, le dernier en date que j'ai connu qui me plaît beaucoup, qui m'inspire, qui me nourrit beaucoup, c'est la démarche du maître zen vietnamien Thich Nhat Hanh, que j'ai fréquenté, qui est vraiment un très grand monsieur, comme d'autres, hein, bien sûr, puisque le Dalai Lama, Mathieu Ricard, tout ça sont des gens qui m'inspirent. Raoni vient passer du temps chez toi, à ta ferme. Raoni vient, il vient d'ailleurs au mois de juin. Je ne me rends même pas compte du privilège que j'ai d'avoir cette personne exceptionnelle, cette âme exceptionnelle. Ce guerrier de l'esprit, hein, c'est pas un guerrier violent. D'ailleurs, certains explorateurs ont échappé à la mort grâce à lui, parce que le peuple Kayapo voulait supprimer ces blancs qui venaient saccager la forêt, sa forêt. Et Raoni, c'était un grand moment parce que on avait organisé le retour, et là je rejoins l'une de mes missions, qui est la sauvegarde des variétés anciennes, des variétés natives, de tout ce patrimoine, cette biodiversité. Et en faisant le tour de tout ce qui a fait la prospérité de l'agriculture européenne, je me suis rendu compte que sans les pommes de terre, sans les maïs, sans les tomates, sans les cucurbitacées, sans les fraises, sans les tournesols, notre agriculture ou notre alimentation serait quand même très pauvre. Bah, évidemment, il a disparu autre chose entre-temps et d'autres habitudes alimentaires avant que les conquistadors ne nous amènent toutes ces merveilles de ce qu'on appelle le Nouveau Monde, de ce qu'on appelait le Nouveau Monde. Et donc, je me suis rendu compte de ce qu'on devait à ces peuples autochtones, de la gratitude qu'on leur devait. Et quand Raoni, dans sa grande tournée à l'époque, est venu en France, il est venu dans ma ferme en mai 2000, juste après la grande tempête, où d'ailleurs il a donné ça comme une sentence: vous, l'Occident, si vous continuez comme ça, les grandes tempêtes comme ça vont se multiplier et vous ne pourrez plus survivre dans ce monde. Il avait été très très fort, son discours avait été très très fort, et je lui ai remis symboliquement les descendants de ces graines que lui avaient empruntées les conquistadors à l'Amérique précolombienne. Ça a été très très fort, comme une grande émotion. Et donc il s'en souvient. Tellement symbolique. Hein. C'est tellement symbolique. Et j'ai refait la même chose, parce que ça me tient à cœur, ça me fait du bien aussi, hein, de créer ce lien entre ces continents, entre ces échanges, ces partages entre les populations. Aime ton prochain comme ton lointain. Aimer pour le prochain d'après et celui qui nous est proche par avance. Tous ces peuples qui nous ont précédés, qui ont, qui ont,
qui sont les gardiens de cette vie, qui sont les gardiens de ce patrimoine. Et d'ailleurs, je livre un scoop là. Raoni vient dans ma ferme là au mois de juin 2014, on va dater, parce qu'il entame une grande tournée, son dernier grand voyage dans le monde pour aller rencontrer toutes les personnes remarquables qui sont ce qu'il appelle les gardiens de la terre-mère, pour ensuite terminer son périple à la conférence mondiale des peuples autochtones à l'ONU en septembre prochain. C'est un très très grand moment et moi je suis très fier qu'il vienne. Pierre Rabhi, il va rencontrer également Pierre Rabhi, bien sûr, Pierre Rabhi c'est incontournable, et puis Vandana Shiva en Inde, et puis voilà, j'en cite quelques-uns des personnes qu'il va... C'est intéressant de voir, pour moi, d'observer ça, que vous vous retrouvez tous là quelque part, et vous êtes quelque part tous des chefs héritiers, hein, et pourtant on ne voit pas tes plumes. mais Raoni m'avait offert une très jolie parure de plumes, les belles plumes bleues, je m'en souviens toujours, et je ne sais plus d'ailleurs où je les ai cachées, c'est un détail. Cette envie de garder le patrimoine, d'aller au-delà, c'est un trésor en fait, hein, qu'on a oublié, et que nous, avec la rapidité à laquelle on vit, en fait, on élimine des espèces, on avance pour avancer, c'est le profit avant tout, c'est quelque part une forme d'égoïsme, et on oublie l'essentiel, c'est-à-dire que quel est le danger de tout ça en fait, que des espèces soient exterminées, bien sûr, mais... Chaque fois qu'une espèce disparaît, l'espèce humaine se rapproche de sa propre fin, parce que c'est dans ce maillage et dans cette complexité que les écosystèmes sont résistant. Si nous réduisons cette biodiversité, c'est comme la pensée unique, hein. La monoculture industrielle, c'est comme la pensée unique. C'est très réducteur et ça fait des esclaves et des monstres. Et très vite, ça disparaît. Sous des prétextes d'efficacité, bien sûr. Hein. Je ne dis pas que les gens font ça d'efficacité et maintenant surtout de profit. Là, il n'y a même plus la notion de service d'intérêt général et de bien public. C'est maintenant tout pour moi. Je vais prendre le plus possible. Prends l'oseille et tire-toi, la devise de certains pays occidentaux. Je ne vais pas dire des Américains parce que ce serait injuste, étant donné qu'il y a des gens formidables aussi aux États-Unis et que je connais, bien sûr. Donc on ne peut pas dire ça comme ça, mais il y a partout des dinosaures qui sont pas loin de leur extinction, mais qui sont encore bien présents. Là. On va parler un petit peu de Monsanto, on peut pas ne pas les mentionner, parce que j'avais été jusqu'en Norvège, hein, pour parler avec le gouvernement de ce Big Seed Bank. Hein. Il y a un bunker là-haut où il y a toutes ces graines, ils veulent soi-disant préserver ces différentes espèces. Est-ce que ça c'est du Monsanto? Est-ce que c'est du gouvernement qui veut avoir le contrôle? Et qu'est-ce qui se passe au niveau de ces graines, ces espèces? Comment contourner le Monsanto? Est-ce que certaines grandes organisations organisent? On parle beaucoup du grand complot. Et au risque de qu'on se moque de moi, je pense réellement qu'il y a un grand complot, au moins de certains, qui n'aboutira pas, parce que la vérité, on ne peut pas contraindre la vérité, on ne peut pas aller... Je crois beaucoup en la Providence qui vient mettre à terre toutes ces manœuvres et toutes ces manipulations. Donc je suis très optimiste, peut-être un peu pessimiste à court terme, mais très optimiste à long terme. Alors, avant de parler de Monsanto, il faudrait déjà s'interroger sur la graine, sur cette perle de vie, sur ce petit logiciel vivant qui détient en mémoire des millions d'informations de tous les millénaires, de tout ce qui s'est passé avant nous, de cette évolution, de cette coévolution avec l'environnement. Et puis, c'est une interface extraordinaire, parce que ça représente aussi, pour des milliers de générations après nous, j'espère, la sécurité alimentaire et environnementale. Donc c'est la graine, c'est un symbole très très puissant. Quand on pense que d'une toute petite graine peut naître des arbres qui font 50 mètres de haut, qui sont immenses, donc on se dit, c'est un miracle de la vie. Et c'est détenu dans une petite graine. Toute l'information est détenue là.
Alors, au siècle de l'informatique, nous, on devrait être très attentifs à garder au maximum toutes ces espèces, qu'aucune ne disparaisse, parce qu'elles sont toutes les maillons d'une chaîne et qu'on ne peut pas se passer d'une seule. Quand une seule disparaît, c'est tout un biotope qui disparaît avec elle. C'est tous les insectes qui sont associés. C'est, voilà, on déchire un tissu et on... Et le problème, quand on, par exemple, j'ai vu cette métaphore, est-ce qu'on peut comparer la biodiversité à la carlingue d'un avion avec tous ses rivets ? En voyant disparaître un à un les rivets, qui représentent les espèces qui disparaissent, la question n'est pas de savoir si on va aller jusqu'au dernier rivet, mais à partir de quel rivet la carlingue va se déchirer et se disloquer. C'est ça la question, c'est pas... Il nous reste encore tant de variétés. C'est à quel moment on va provoquer le collapse, le collapsus. Et la qualité de ces graines, hein, c'est ça dont il est question ici, et comment elles vont se reproduire après, quelle est leur durée de vie, hein, parce que c'est des graines. Une fois qu'une graine est génétiquement modifiée, qu'est-ce qui se passe là ? Ces mémoires sont... J'oserais pas trop m'avancer. Le siècle biotech de Jeremy Rifkin a abordé ce problème très bien en disant mais finalement on ne modifie qu'une petite partie de l'environnement. Comme on peut pas modifier l'ensemble de l'environnement, tout ça ce sont des chimères qui vont disparaître, que la nature fait éjecter. Mais je voudrais pas être dans cet optimisme là trop, parce que ça voudrait dire bon, laissons faire, il n'y a pas de risque. C'est pas vrai. On a le devoir de veiller à ce patrimoine et de le défendre face à des actions qui ont pour but de se l'approprier, c'est-à-dire de faire une sorte de hold-up sur le monde et sur la biodiversité. Il y a une technique et une frénésie d'accaparement pour tout. Les brevets, c'est abominable. Les brevets, bon, je comprends qu'il faille récompenser les êtres géniaux qui ont trouvé des choses intéressantes pour leur prochain, mais pas au point qu'ils deviennent propriétaires définitivement de l'un de ces trésors de la planète. Ça me paraît invraisemblable. En plus, ça bloque toute la recherche à venir. Alors pour reparler de cette histoire, parce qu'il n'y a pas que Monsanto dans cette affaire, il y a Bill Gates, il y a Syngenta, il y a Bayer, il y a tous ces gens-là, comme par hasard, qui se retrouvent dans cette opération alibi pour moi, et sur vertueuse, qui est pour moi une imposture, parce qu'on ne peut pas prétendre qu'on va garder vivantes les graines qu'on a stockées dans ce bunker glacé, et qu'on va les ressortir dans 30 ans, 50 ans, 100 ans, et qu'elles vont pouvoir s'exprimer, s'épanouir, comme si on les ressortait demain. Parce que c'est comme si on mettait un Indien de l'Amérique précolombienne sur la place de la Concorde à 5h du soir, il serait mort en quelques minutes, parce qu'il n'a pas, il n'a pas les aptitudes pour résister à ce monde nouveau. C'est la même chose si on sort les graines qui n'auront pas coévolué et qui n'auront pas... Même si elles sont stockées dans des bonnes conditions, elles ne sont pas à l'air, elles ne sont pas... Elles vont rencontrer, pendant ce temps-là, l'environnement bouge, elles vont rencontrer des maladies extrêmement virulentes ou des parasites extrêmement virulents contre lesquels elles n'auront pas les résistances, elles n'auront pas développé les résistances. Donc c'est une imposture, ça. Et tout le monde le sait, les vrais gardiens de la biodiversité, de tout temps, ça a toujours été les petits paysans, les jardiniers, les familles, les gardiens de la terre. C'est eux qui ont fait coévoluer en permanence tout ce patrimoine. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard que les petits paysans ont mis un point d'honneur à adapter leurs semences à leur situation de terroir, de climat, d'altitude. Ça explique le foisonnement des variétés dont on pleure aujourd'hui la disparition. C'est les petits paysans. Aujourd'hui, l'industrie semencière, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prétend faire pousser sa plante miracle sur toute la planète. C'est absolument impossible. C'est une imposture. Et
parce qu'il lui faut toutes les béquilles chimiques, techniques nécessaires. Donc elle vend en même temps les béquilles chimiques, techniques nécessaires. Je pense que toute personne normalement constituée comprend très bien que c'est impossible. Le véritable alors, héritage qu'on transmet de père en fils, de mère en fille, devient ces graines, c'est le trésor quelque part. Aux États-Unis, j'ai eu beaucoup de conversations hein, avec plein de personnes qui élèvent eux-mêmes, qui ont leur jardin. Il y a une très grande mouvance vers ça, où les gens ont leurs propres graines. Et vraiment, c'est comme si c'était leur point d'ancrage et l'intérêt principal de leur vie pour eux, pour pouvoir se nourrir plus tard, quelles que soient les catastrophes qui vont se passé, etc. Pour toi, c'est ça, ce trésor, ces graines, c'est comment tu transmets ces graines, comment trouver de bonnes graines, comment commencer cette quête? Alors, évidemment, on s'est fait connaître déjà depuis une trentaine d'années pour développer et pour diffuser ces graines. On a eu de multiples ennuis et procès, bien entendu, pour faire ça, parce que, curieusement, ces plantes, ces graines qui ont accompagné l'évolution de l'humanité depuis qu'elle existe, sont devenues aujourd'hui illégales. Tout ce qui n'est pas enregistré n'existe pas. Et tout ce qui n'existe pas ne doit pas être diffusé. Donc, c'est une sorte de folie collective qui fait qu'on accepte ce genre de situation. Mais je pense que ça va changer parce qu'il y a plein d'initiatives à l'heure actuelle, citoyennes, les incroyables comestibles, la ruche qui dit oui, les AMAP, disco soupe, j'en ai cité quelques-uns hier, dans ce foisonnement. Et peut-être que l'avantage justement de cette crise et de ces excès, c'est de faire prendre conscience de la gravité ou de l'intolérable. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'on va empêcher les gens de vivre et qu'on va leur dicter ce qu'ils doivent manger, planter, cultiver. Au nom de quoi et faudrait être supérieurement intelligent pour savoir qu'à tel endroit, c'est telle plante qui va donner les meilleurs résultats. Tandis que les petits paysans ont essayé sur des siècles et des millénaires, ils ont trouvé ça. Mon prof me disait que quelques siècles d'expérimentation traditionnelle, ça vaut bien 50 années d'expérimentation scientifique, qui est toujours remise en cause, qui est régulièrement remise en cause. Donc, ce qui compte, c'est ce savoir populaire, cette connaissance populaire, non pas pour contrecarrer, combattre la recherche scientifique et technique, ce qui serait aussi une folie. On ne peut pas se priver de connaître et de chercher, mais au moins un peu moins d'arrogance de la part de ces gens pour accepter tout ce savoir populaire qui vaut bien leurs quelques petites expériences dans les éprouvettes et conjuguer au contraire le savoir traditionnel avec le savoir scientifique moderne. Relier ces deux, ça c'est. Et on peut pas empêcher non plus des individus d'échanger des graines. On les empêche justement. On peut le faire. Il y a une révolution qui est en train de se passer. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'ils pourront pas contrôler les millions de grains de sable que nous sommes. Et je pense que ça va se faire de manière souterraine. C'est d'ailleurs un peu ce qui s'est passé avec l'agriculture biologique, avec tous ces mouvements qui ont empêché la mainmise totale De certains groupes financiers économiques de s'approprier toutes les ressources qui nous appartiennent, quoi. C'est un patrimoine commun. On se demande comment on peut s'arroger le droit de voilà, alors on va changer deux ou trois gènes et puis on va dire ça y est, ça nous appartient, c'est nous qui avons inventé ça. Avant, la nature n'existait pas. Le discours de Monsanto, c'est que vous voyez, là, c'est bien la nature, mais la nature a tout faux. Vous voyez, une pomme, c'est bien, mais ça pourrait une pomme. Alors on va mettre un gène de fongicide dedans pour empêcher que la pomme pourrisse. Et puis la pomme, c'est bien, mais c'est un peu acide et un peu cru. On va mettre un gène de banane pour la rendre un peu plus moelleuse. Enfin, voilà, c'est toute cette folie-là que j'espère nos contemporains, j'espère pas, je le vois, heureusement, une vague montante, de plus en plus nombreuse,
qui va empêcher cette folie de continuer, quoi. J'aimais beaucoup le terme hier d'un de ces messieurs à la table ronde, je ne me souviens plus de son nom, mais il parlait d'éco-passeurs, d'être des éco-passeurs, ce terme de passeur. On peut parler de graines, on peut passer ses graines aussi, il y a ce côté. C'était William Vidal qui est à la base l'un des cofondateurs d'EcoCert, donc la grande organisation qui certifie l'agriculture biologique, avec laquelle j'ai eu le privilège de travailler beaucoup aussi. Puisqu'à l'origine, j'ai participé à la création de tous les mouvements bio, la plupart des mouvements bio français et européens. Oui, c'était une très belle épopée, ça. Je me suis pas rendu compte de la portée à l'époque. Et aujourd'hui, je me rends compte que nous avons semé des graines qui vont aujourd'hui être remplacées. Cette métaphore que j'adore, que le fracas de l'arbre qui s'effondre n'étouffe pas le murmure de la forêt qui pousse. Et tout ça, c'est la forêt qui pousse. Et personne n'en parle, sauf des médias ou des personnes comme toi. Mais les grands médias, souvent, se taisent et sont atterrés devant ce qui arrive parce qu'ils font partie de l'arbre qui s'effondre. Donc ils ont raison de paniquer. Mais en attendant, l'arbre qui s'effondre, c'est un phénomène cyclique. Quand un être ou un arbre est arrivé à maturité, c'est logique qu'il s'effondre. On est dans l'impermanence. Et donc, on ne peut pas définitivement refaire les mêmes choses et faire vivre éternellement les choses. Il faut qu'il y ait cette succession et en quelque sorte ce remplacement et cette adaptation qui se fait. Parce qu'on vit à 100 000 km à l'heure. La Terre, elle tourne autour du Soleil à 100 000 km à l'heure. On ne s'en rend pas compte, là. Mais le Soleil lui-même tourne à 600, 800 000 km à l'heure autour de la galaxie. La galaxie elle-même tourne à 2 millions de km à l'heure et rejoint Andromède. Là, c'est vertigineux. Ça existe, ça. Personne n'en parle. Et à l'instant où on parle, on n'a pas conscience de ça. On n'a même pas conscience de notre respiration, des miracles qui se passent à chaque seconde en nous. Donc comment peut-on avoir tellement d'arrogance pour prédire, pour s'approprier, pour décider du destin des autres, alors qu'on n'est même pas capable de décider du sien? Puis qu'on est des miracles vivants, quelque part. On est des miracles vivants. On est dans cette trame de vie. On est dans la non-séparation. J'ai beaucoup aimé ça aussi hier. Mais ça, c'est l'un des thèmes de Thich Nhat Hanh sur le fait que nous sommes tous interdépendants. Et quand il prend une feuille de papier, il dit, voyez, il y a énormément de non-papier dans cette feuille de papier, parce qu'il y a la pluie du nuage qui a arrosé l'arbre, qui a permis de recueillir cette pâte pour faire le papier. Il y a le soleil qui a permis la croissance de l'arbre. Il y a le bûcheron qui a abattu l'arbre. Il y a les parents du bûcheron qui l'ont mis au monde. Il y a le boulanger qui a fait le pain pour que le bûcheron... Quand on fait le tour, on s'aperçoit que tout, même la plus petite chose dans l'univers a la raison d'exister, et que tout est lié, et qu'on ne peut pas se passer de toutes ces choses qui contribuent à cette trame de vie, à cette trame de l'univers. Merveilleux, Philippe. Je pense qu'on pourrait parler des heures. Une nouvelle journée ici démarre au Palais des Congrès de Toulouse, d'autres conférences. J'ai énormément apprécié cette conversation. J'ai hâte d'en avoir beaucoup d'autres avec toi. Merci beaucoup. Je peux juste annoncer une chose. Je te remercie beaucoup, Lilou. Pour moi, ça a été un grand bonheur de faire ça avec toi, parce que c'est comme un rêve. Et je voulais annoncer les entretiens de Sologne qui auront lieu. Oui. Ce serait bien que tu viennes, parce qu'il va se passer des choses merveilleuses. C'est quand ça ? Le 26, 27 et 28 septembre, c'est le dernier week-end de septembre, dans le cadre du Festival international des jardins au château de Chaumont-sur-Loire, où j'ai des gens prodigieux. Je n'ai pas le temps d'expliquer les perles que j'ai trouvées. Et on le retrouve sur ton site ? On le retrouve sur le site www.entretiendesologne.com ou sur le site d'Intelligence Verte, qui est notre site, avec beaucoup de visiteurs, puisqu'il existe depuis une vingtaine d'années maintenant. Voilà, on tape Intelligence Verte, on est sûr de tomber sur toutes ces informations-là. Un petit mot de la fin aussi sur ta délicieuse femme qui t'a soutenue et qui te soutient et qui est là. Écoute, je crois qu'elle aimerait pas que j'en parle. C'est pas.
Bon, bah en tout cas, tu es certainement très bien entouré pour pouvoir mettre tout ça en place. Et bravo à toutes les personnes qui t'entourent et qui te soutiennent pour mettre ça. Je peux juste dire une chose, c'est que les femmes sur tout mon parcours, que ce soit ma mère, ma fille, mon épouse et tout ça, c'est... ont été, et d'autres dames que j'ai rencontrées m'ont beaucoup aidé. Je pense que j'ai une relation particulière, très, très riche, très forte avec la gente féminine, je crois. Je dois avoir une forte partie féminine en moi. T'as un bel exemple d'un homme avec un cœur ouvert et je trouve que c'est beau. Moi, j'adore faire des interviews avec les hommes à cœur ouvert parce que c'est un bel exemple pour d'autres hommes et femmes. Tu le dis, alors bah, écoute, j'accepte. J'accepte. En tout cas, j'aime beaucoup ce que tu fais, Lilou, en tout cas aussi. C'était... Merci. Merci et merci pour tout ton travail et cette délicieuse conversation, ces délicieuses graines que tu préserves. Gros, gros bisous. Mes merveilleux co-créateurs, on vous embrasse de Toulouse, n'est-ce pas? Au revoir.